Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Je fais rarement ce genre de vidéo. En plus, j'en ai fait jamais sur Fortnite. Je vais vous montrer une petite astuce en fait, comment bien se planquer dans la nouvelle saison de Fortnite. Alors, il y a une petite technique en fait que j'ai trouvée en semaine partie. Je suppose que t'as déjà trouvé, mais bon, voilà. Il y a une technique en fait pour se mettre sous des bâtiments. En gros, je m'explique. Vu qu'il y a de l'eau et vu qu'il y a des remous avec l'eau, on peut se planquer en dessous. Alors là, je vais à une planque. Il y en a beaucoup quand il y a beaucoup d'eau, etc. Par exemple, et en plus, c'est infaillible, on peut pas vous voir. Et en plus, encore plus dans cette planque-ci, elle est vraiment terrible. Regardez bien. Vous apparaissez ici, ben vous voulez aller à l'agence. Ben, c'est à l'agence, vous voulez vous planquer. Bon, je dis pas qu'il faut se planquer dans Fortnite, mais vous pouvez venir vous planquer ici. Vous allez dire, ouais, mais ici, c'est voyant, on peut vous voir. Oui, mais regardez, 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 hop. On peut sauter ici. Et on peut se planquer ici. Et là, on n'est pas du tout voyant. Ça, c'est une belle planque. C'est une des dernières planques que j'ai trouvées, mais elle est vraiment pas mal. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, hein. Je vais essayer de vous en trouver. Il y en a une autre qui est pas mal aussi, c'est un conteneur. Il y en a un peu partout, hein, des trucs comme ça, hein. Il n'y en a pas que là. Donc, c'est pas moi qui ai trouvé là. Enfin, si, c'est moi qui ai trouvé là actuellement, mais voilà. Il y en a quelques-unes que voilà. Vous pouvez aussi vous planquer dans ce genre de buisson, arbre. Vous êtes toujours un peu plus caché. Vous pouvez vous cacher si vous voulez infiltrer l'agent, entre guillemets. Par ici, il doit avoir un. Oh, il y a un lama là qui flotte, tranquille. C'est par là. Il y en a un peu partout. En gros, plus vous êtes caché, mieux c'est. Par exemple, là, la technique, c'était vraiment on se planque et là, c'est vraiment on attend. Après, il y a d'autres planques où on n'est pas obligé d'attendre la fin. On peut faire des petits kills, etc. Mais vous en trouvez une, elle est ici. Voilà. C'est ce conteneur. Donc, c'est un ancien bus, un ancien camion. Et en fait, vous rentrez dedans. En fait, avec le remous, vous pouvez rentrer dedans. Et vous pouvez vous mettre au fond. Et vous n'êtes pas voyant du tout. Donc ça, c'est vraiment sympathique quand vous devez être à l'agence. Il y en a pas un peu partout, hein, des trucs comme ça. Là, c'est pour l'agence. Mais en vrai, il y en a partout dans toute la map. J'en ai compté à peu près une dizaine, là, à peu près. Je sais qu'il y en a une, par exemple. On va y aller. On va réapparaître, vous allez voir. Il y en a une. Oh merde, j'ai plus le nom. Je retrouve le nom. Voilà, on va se TP. Voilà. Alors, c'est beaucoup ce qu'il y a de l'eau. Donc, les nouvelles villes. Donc, les nouvelles villes peuvent être très utiles. Par exemple, là-bas aussi, à Steamistack, il y en a. Il y en a quand même pas mal. Mais la technique, en fait, c'est se cacher sous l'eau. Et attendre en fait, c'est juste ça, c'est attendre. Bon, c'est pas cool, mais c'est attendre. Faut vraiment se planquer, attendre, et puis bah, même si déjà à Frenzy il y en a une, c'est dans la grange, bah, c'est au niveau de la grange. On voit là, donc il y a déjà toutes les petites planques ici, hein. Tout ça, c'est très utile. Hein. Vous pouvez rentrer par la petite fenêtre, et ben là, vous êtes quand même planqué un minimum. Hein. Il y a un peu pour toute zone. Il y a aussi cette petite. C'est ici, on peut rentrer ici, oui. Voilà. En fait, il faut avoir le remous. Parfois, il y a le remous qui est assez long. Mais. On sait. Ah, j'avais su rentrer tout à l'heure. J'avais su rentrer. On va attendre vraiment bien le remous. Voilà. On va attendre le remous. Et ici, on est en dessous du plancher. Et on peut vraiment se planquer ici parce que les gens, ben, ils pensent être que vous êtes au-dessus. Et en fait, vous n'êtes pas du tout là. En fait, vous êtes vraiment en dessous d'eux. Bien sûr, pas trop bouger avec l'eau. Toujours faire attention. Il y en a aussi une autre. Je vais pas tout vous les montrer, mais. Steamistack, on va pas y aller. Il y en a où on peut y aller. Mais je vais vous montrer un peu plus loin. En fait. Pour que vous puissiez avoir une idée de ce genre de truc. Il y en a partout, hein. Je vous dis franchement, il y en a partout. Là-bas aussi, il y en a, juste où je mets mon petit curseur là, il y en a. Ici aussi. Pour l'agence, il y en a beaucoup. Tous
tous les, en fait, tous les petits conteneurs qui flottent, vous pouvez vous mettre dedans. Ça, c'est vraiment hyper bien et c'est hyper caché. Mais franchement, les meilleurs, c'est les ponts. Je pense qu'il y a deux ponts. Je me souviens plus où est-ce qu'il y a. Non, non, il y a qu'un pont comme ça. Hein. Enfin, en tout cas, qui est camouflé comme ça, qu'on peut se mettre comme ça. Il y a que celui-là. Mais il y a plein d'îles, de trucs où on peut se planquer. Peut-être prendre un hélico pour vous montrer en fait. Je vais aller chercher l'hélico. Et je vais me balader, je vais vous montrer un petit peu quelques petites bases. On va pas non plus traîner trop la vidéo. C'est juste pour vous montrer cette petite astuce que j'ai trouvée. Et voilà, je vais pas l'appeler l'astuce maths, mais c'est une belle astuce qui est peut-être campeur de la mort. Hein. C'est vraiment les campeurs, c'est l'aquacampeur en fait, hein. C'est vraiment ça. C'est l'aquacamping, je vais appeler ça, l'aquacamping. Il y en a une ici, voilà, je savais qu'il y avait un deuxième pont. Voilà. Là, c'est pareil. Hein. On va, on s'en fout. Voilà. Celui-là, il faut vraiment attendre le gros remous. Ah non. Non, celui-là, on sait pas. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a bien qu'un. Ça, je trouve ça toujours débile que que le truc, on puisse le reprendre, même s'il est dans l'eau. Mais il y en a vraiment partout. Vous pouvez me croire, il y en a vraiment partout. Donc, c'est vraiment très utile. Là, il y en a une encore. Hein. Voilà. Donc, voilà. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me dire de nouvelles astuces dans les commentaires que je pourrais peut-être vous les montrer. Là, c'est vraiment l'aquacamping de malade. Hein. C'est vraiment ça. Typiquement, on peut pas faire pire d'aquacamping. C'est vraiment ça. Bon, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.